Salut les amis, ici Bigouf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de World of Tanks Blitz. Et ben aujourd'hui, ça y est, comme promis, chose de dite, chose due, chose bah, qui va être faite. On avait fait la série sur mes 8 chars préférés, et ben maintenant je vais faire mes 8 chars les plus détestés. Alors c'est vrai que je vais pas vous cacher, personnellement on va commencer sur mes 8 chars lourds les plus détestés. J'en ai pas vraiment, j'en ai choisi 8 hein, de tout ce que j'ai en stock pour le moment, mais c'est vrai que j'en ai pas réellement, hein. En général vous savez que les chars lourds ce sont mes préférés dans tout le jeu, hein, comparé au TD, au léger et puis au médium, voilà, mais bon j'en ai choisi 8, hein, que pour moi, voilà, vous le savez, hein, que j'aime pas trop, soi-disant, mais bon, on va essayer de faire comme si je n'aimais pas ou que j'aimais pas. Donc, on est parti tout de suite avec le VK3601H, un char de tier 6 allemand. Donc, bien sûr, on est parti, mes amis, hein, pour 40 minutes de gameplay ensemble. En même temps, à noter que demain, je vous ferai une vidéo, demain, je vous ferai une vidéo spéciale, d'ailleurs, qui sera dédicacée à Jean-Bastien Kieffer. Big up à toi, mon ami. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça demain. Donc, Jean-Bastien, tu es gentil, tu ne balances pas la mèche, hein, parce que sinon, moi, je viens chez toi et où que ça va chier, hein. Non, je plaisante. En tout cas, mes amis, je tiens vraiment à vous remercier. On a passé la barre des 1800 abos. Merci à tous, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Right on the left, left on the right. Donc right qui signifie droit, d'accord, hein. Là j'ai retenu parce que je mets souvent des écouteurs des moments, donc right c'est côté droit et left c'est côté gauche. Alors donc en même temps je vais en profiter tant qu'on est en train de roulailler tranquillou. Alors attention. On va commencer par un Stug. Pour l'instant, je ne peux pas parce que sinon ça me ferait perdre une munition pour rien. Hop là, alors. Hop là, ok. Donc pour l'instant, tout se passe relativement bien. Donc bien sûr, mes amis, après cette vidéo sur mes 8 chars lourds, détestés, même si bon, j'en ai pas réellement de détestés en chars lourds, vous aurez bien sûr les TD. Alors par contre, comme j'avais précisé, alors attention, je vais essayer. Oh joli! Eh, alors là, mes amis, je vous lance un défi, j'allais dire. Essayez de tirer à travers la porte sans l'éclater comme notre allié vient de le faire. Et ben moi je dis, c'est tout simplement magnifique. Alors là, c'est du grand. Oula, attendez, il y a un petit M6 qui est là-haut, là. Est-ce que je peux au pire remettre une petite douille à lui là-bas? Ah là, c'est moi qui a loupé. Ouh! Hop là, donc on va se mettre de face, que comme vous le savez, j'allume le char. Ouh, joli ricochet. Ouh! Ouh ça? Ça envoie du pâté, là. Attention! Oh, joli! Hop là! Ouh! Eh, dis donc! Là, franchement, mes amis, on s'en sort bien. Et là, il est pour... Il liche pour 1000. Voilà, absolument. Hop là, ricochet. Alors, surtout, essayez... Un petit conseil, si je peux me permettre. Attendez. Oh non, j'aurais bien voulu l'avoir aussi. Essayez d'anticiper... Attention, j'ai ma fille qui vous dit bonjour en même temps. Hein. Elle vous fait bonjour. Essayez d'anticiper le tir de chaque charme. Alors, c'est pas forcément évident. Il faut vraiment les connaître par cœur. Oh là, joli. Pour justement, au moment où il va tirer... Vous bougez votre char. Alors attendez, il y a lui. Oh bah lui, elle regarde. Mais vas-y, toi, qu'est-ce que tu me rentres dedans là, jaloux. Oh, t'as jaloux. Ah, il est occupé, d'accord. Ah, on a le. Mais c'est pas possible. Hein, quoi. Ah non, c'est moi qui percute, pardon, le véhicule. Alors. Donc là, ça c'est bon. Donc on va aller tout de suite voir le L4. Hein, parce que notre ami est un petit peu en difficulté. Hop là, alors il est où? Tu es là. Salut, camarade. Voilà, c'est moi que v'là. Bim, bam, bim, dans tes fesses. Attention, attention. Et boum. Ah, j'adore quand ils disent qu'il est cuit. J'adore. Bon, bah écoutez, hein, pour un char les plus détestés, ça va. On s'en tire relativement bien. Hein. Bon, bah super, voilà. Et bah, moi, j'ai la vidéo qui démarre bien. Ça, ça fait toujours plaisir. En même temps, je vais en profiter pour continuer mes dédicaces et mes remerciements à vous tous, mes amis, hein, bien sûr, aux anciens comme aux nouveaux. Hein. Bienvenue à vous tous, mes amis. Bienvenue sur la chaîne de Bigouf60. Venez faire les oives.
Bon bah écoutez, voilà, donc on va partir maintenant tout de suite. Alors là, alors pourquoi le VK2601? Parce que j'aimais pas, bah je sais pas en fait. Bah en fait j'aime bien, mais bon, on va dire, parce que voilà, je suis obligé de choisir ceux que j'aimais pas. Alors lui, je l'aime pas trop, pourquoi? Parce que, bon déjà, c'est un char de tier 9, bon ça, c'est rien à voir. C'est parce que, comme vous savez, lui, il a une tourelle qui est à l'arrière de son châssis. Donc ça peut être un désavantage si vous voulez vous montrer justement du fait que bah, tout l'avant de la caisse en fait tout l'avant de la caisse va être mis à être vu, on va l'avouer, hein, forcément. Si vous montrez l'arrière, bah, c'est votre moteur, donc ça va être un petit peu plus problématique. Alors qu'est-ce que je vais faire? Oh tiens, allez, pour aujourd'hui, je vais suivre le JGPZ-E100. Allez, c'est parti, on va prendre par le bas. En général, je vais toujours vers le haut, mais là, aujourd'hui... Oh ouais, allez, on y va. Allez, on va changer. Donc, ensuite, je tiens à remercier Ryan The Best. Big up à toi. Nous avons aussi Delphine Dumetz. Big up, grosse dédicace à toi. De toute façon, à vous tous, hein, ne vous inquiétez pas, même si j'oublie vos pseudos ou que vous ne m'aviez pas encore laissé de message sur mes 8 chars. C'était quoi d'ailleurs ma chaîne? Enfin, sur ma chaîne, n'importe quoi. Sur mes 8 chars légers préférés. Hein, ne vous inquiétez pas, mes amis. Oh là, un petit IS-8. Alors, pour l'instant. Hop. Oh là, ça c'est du gros. Là. Ou que c'est du gros. Attention, j'envoie ma première cartouche. Et voilà, oh là 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 là, que j'ai pris cher. Bon là par contre j'ai intérêt d'essayer de me casser plus vite. Hop là. Parce que sinon il va m'en remettre encore une et là je vais avoir très très mal. Attendez, voilà. Non, recule. Oh la vache. Ah je suis mal. Pourtant j'essaye au maximum les amis de... Non. J'ai loupé le bouton. Non. Et bah voilà. Oh, magnifique. Bon bah voilà, au moins c'est sûr, il est détesté celui-là. J'aurais fait bah, mon possible. Et là, non, je suis pas assez rapide en marche arrière. C'est dommage. Bon bah ça arrive, hein. Je suis vraiment désolé. J'ai fait une partie de brin. Ah, alors celui-là, voilà. Alors, il est entre le mode détesté et le mode apprécié. Pourquoi? Alors, bah, comme vous le connaissez tous, le KV2, je l'aime bien, c'est du fait de, bah, qu'il ressemble. C'est un KV déjà, vous savez que mon préféré c'est le KV1. Le gros défaut, ça va être sa tourelle. Comme vous savez, il a une tourelle de cinglé là-dessus. Il a un temps de rechargement extrêmement long. Par contre, fait relativement, donc on va partir à la HE directement. Il a une rotation de tourelle super longue aussi, donc c'est vrai que c'est un des chars où, voilà, si vous en avez plusieurs devant vous, vous avez intérêt de jouer plutôt la sécurité et vous planquer, et surtout de ne pas louper votre tir, parce que sinon vous êtes dans la merde, c'est le cas de le dire. Ah, bah tiens, d'ailleurs, c'est sur la première partie qu'on a eu notre victoire ici. Et bah, peut-être que cette carte nous portera sens. Donc en même temps, bon, tant qu'on va croiser quelqu'un, donc vous voyez, le temps de rechargement n'est pas encore terminé, hein, ça va faire au moins 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Attention, c'est bon. Ok, alors, je continue mes dédicaces et mes remerciements. Donc Jean-Bastien Kieffer, d'ailleurs, un gros dédicace à toi, tu sais pourquoi mon ami. Je te confirme qu'il faut que tu gardes le secret jusqu'à demain. Ensuite, nous avons Cucudray33, donc il m'a marqué sur le commentaire. Ah, c'est, je suis déjà Spotify. Qui m'avait marqué, tu peux m'appeler Coudre, mais bon, c'est marrant. Cucudray33, ouais, c'est ça, Cucudray33, big up à toi. Alors attention. Attention, je vais me mettre là. Bien sûr, il avance plus. J'aurais pensé qu'il aurait continué à avancer, mais non. Alors, attention, mes amis, ça va être tendu. Il faudrait juste qu'il arrive au pire à se mettre là. Ah, bien sûr, là, il va ne pas bouger. Moi, parler bien français. Absolument, ouais. Bon, là, je vais peut-être y aller, par contre, parce que sinon, si on reste là, on fera pas grand-chose. Alors, un petit AT2. Alors, voilà, là, ils savent que je suis là. Attention, c'est parti. Oh, nom de Dieu. Hop là, donc on va se planquer, quand même. Hein, parce que ça sert à rien de... Hop là. Alors, je fais gaffe, c'est l'AT2. Au pire, lui, je vais attendre de bien recharger et je vais lui mettre une de ses cacahuètes. Ah bah, j'aurai pas le temps. Ah bah non plus toi. Oh oh.
Ah bah maintenant on a un AT7. Bah tiens, tu veux faire le malin, Bigouf? Attention. Et voilà, j'ai pas attendu. Ah par contre, j'avais pas vu qu'ils étaient derrière. Donc voilà ce que je vous expliquais. Au bout d'un moment, ça va être tendu. Hop là, alors là. Allez mon gars, allez, on y croit. Voilà. Par contre, voilà, des moments quand il touche sa cible. Oh, par contre, là, si je reste là, moi, je suis mort. Je suis vraiment mort si je reste là. Oh la vache, je reprends encore une cacahuète et c'est fini pour moi. Donc, on va essayer. Voilà. On va se planquer. Au pire, on va essayer de... Voilà, super. C'est super. Alors, là. Bon, bah, malheureusement, maintenant, je ne peux plus recharger. Hop, je suis sûr qu'il va venir bousiller le VK30. Ah là 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 là. Ah non, maintenant c'est bon, j'aurais pensé. Allez, tu viens. Allez, cadeau, il est pour moi. Il est pour moi, super. Bon bah voilà, un char qui est vraiment détesté, hein, je vous dis, je l'aime pas. Parce que c'est vraiment un char qui est très long en rechargement et au niveau de sa tourelle. Bon, on a eu du bol, on s'en est bien tiré pour celui-là. Moi je dis tant mieux. Parce que c'est vrai que c'était, ça peut être tendu, hein. C'est un char qui peut vous mettre dans des situations assez précaires et très rapidement. Mais là, on s'en est bien sorti. On avait une bonne équipe, donc voilà, c'était trop de la balle. Oh, puis, regardez en plus, on a gagné. Alors, j'ai quand même fait pas mal de dégâts, mine de rien, sur ce E100, parce que je me suis battu qu'avec un E100. Malheureusement, il a gagné. Il m'a fait plus de dégâts à mon cucu que moi j'ai pu lui faire. Mais bon, en tout cas, j'avais fait 3 shoots et les 3 shoots étaient à 100%. Alors ensuite, on part directement encore avec un char. Donc là, le KV2 était un char de tier 6. On part, mes amis, avec un char de tier 9, donc le ST1. Alors pourquoi celui-là je ne l'aime pas? Alors c'est pareil, il y a des chars que je n'aime pas au début parce que comme vous le savez, au début quand ils ne sont pas équipés, ils sont extrêmement mous, ils rechargent très très lentement, ils ne voient pas forcément, enfin on va dire ils ont une portée de vue qui est encore pas à fond. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le temps de réparation des éléments endommagés vont mettre un peu plus de temps tant que l'équipage n'est pas à 100%. Voilà. Là, celui-là, j'ai la chance d'avoir eu... Enfin, la chance. Non, c'est pas la chance. Bon, là, on va changer, on va aller par le haut. J'ai bossé pour. Hein. De toute façon, mes amis, je bosse pour essayer de vous faire le plus vite possible de belles vidéos. J'ai la chance d'avoir son plus gros canon. Voilà, là, j'ai vraiment son canon. Il me manque encore le moteur et les chenilles, si je me trompe pas ou si je m'en rappelle bien. Celui-là, je l'aime pas trop. J'aime pas, c'est de l'avoir en face. C'est un char qui est quand même assez dur à pénétrer. Bien sûr, si vous avez le char adéquat, il sera assez facile. Hein. Comme vous savez, les chars les plus faciles à pénétrer, ce sont latéralement et surtout à l'arrière. Mais celui-là, c'est vrai qu'il a une particularité, c'est du fait qu'il a une caisse qui est vachement un peu comme l'IS6 au niveau de son châssis, qui est assez, qui part un peu dans tous les sens. Donc, si vous vous débrouillez bien, si vous bougez bien votre blindé au moment que vous voyez les gens en face de vous, vous avez pas mal de chances de faire de ricochets. Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que, alors le voilà, c'est vrai qu'il est assez, mou. C'est, je monte tranquille, je prends mon temps. Je pense que toi, Monsieur Patton, tu vas être mon premier client. Non, tu ne seras pas mon premier. Oh là là, toi, tu vas être mon premier client. Voilà. Alors c'est vrai qu'en plus il a une tourelle qui est assez costaud en même temps. Alors attention, excusez-moi, hein, si je ne parle plus, c'est que j'essaie de me concentrer. Alors, par contre, bien sûr, lui il va pas venir. Hop 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 hop, tout da. Bon, Patton, je t'avais promis. Chose dite, chose due. Voilà. Absolument, tu as pris une de ces cacahuètes. J'adore te mettre des cacahuètes. Alors, je vois que le Jeepanther, il est chaud, hein. Ah, ça y est. Première pénétration du blindage. Oui, parce qu'en fait, je peux parler aussi comme si j'étais l'ennemi. Parce que là, il a fait pénétration du blindage. Alors, donc là, on est dans une situation pas terrible. Pourquoi? Ah, parce que voilà, j'ai mis un temps à réagir. Oh, qu'est-ce que nous avons? Oh, un petit T28. Alors là, le T28, je vais pas aller l'observer. Alors attendez, je vais... Oh, alors là c'est vraiment moins bon pour moi. Là c'est vraiment pas bon. Voilà. Ah, là y est, maintenant ils s'attaquent, ils sont à deux sur moi. Donc là normalement avec le T62 je peux plutôt mal m'en tirer en fait. Toi, je vais t'en mettre une pour la peine. Par contre j'ai intérêt de pas trop m'avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a le T28 qui est derrière. Donc je pense qu'il attend juste une chose. Par contre, toi, mon pote, je vais te détendre parce que... Voilà.
non, 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 non. Toi, tu vas le laisser tranquille. Tu vas le laisser tranquille. Voilà. Alors là, j'ai un gros souci, mes amis. Je me suis coincé. Non. Ah non. Ah non, tu me vois pas. Non, non, non. Bon, alors là, je vais pas. Là, ça serait stupide de ma part de me montrer. Alors attendez, parce que là, en fait, il sait pas trop ce qui va se passer. Il a tiré. Donc là, je vais en profiter. Je vais te mettre une cacahuète. Alors par contre, j'en ai un qui est en train de me shooter là-bas. Donc je pense que c'est le. J'ai intérêt de. Voilà. Bah oui, c'était. Je savais pas trop ce que je voulais faire. En fait, je me suis un petit peu perdu dans ma tête. Oh, j'étais perdu dans ma tête. Voilà, parce que c'était bien le J Panther 2. Je m'en doutais qui me shootait. Donc bon bah voilà, désolé mes amis, j'ai fait de la merde, ça peut arriver. Mais bon, je me suis défendu, j'en aurais shooté deux, c'est toujours bon à prendre. Hein. Voilà, on aura réussi à faire quand même quelque chose de relativement propre, si je me suis fait dézinguer. Alors tout de suite mes amis, on va partir avec un char de tier 5, le Churchill. Le Churchill 1, parce qu'il y en a plusieurs Churchill, donc là on va partir avec le Churchill 1. Pourquoi j'aime pas ce char? Bah parce qu'en fait ce sont des chars mous, très très mous, voilà, avec une puissance de feu qui est rapide mais pas forcément avec de gros dégâts. Donc on va dire voilà pourquoi je n'aime pas forcément ces chars là, alors que j'aime bien tous les chars lourds. Ben bon, ben. Excusez-moi mes amis, je m'hydrate là-bas. Alors en même temps je continue mes dédicaces à Firez, grosse dédicace à toi, à Taki. Big up à toi, à What Bliss Tank, ou ouais, Tank, qui avait marqué d'ailleurs, c'était lui, je tiens vraiment à faire une grosse dédicace, où c'est qu'il m'avait marqué Bibi, j'adore tes vidéos. Par contre, un truc que j'ai détesté, c'est quand sur la map du Temple Perdu, j'étais en IS3 et toi aussi, et je me suis cassé, et tu m'as dit, affronte-moi, faut pas avoir peur. Oui, bah après, c'est un jeu d'humour, hein, faut pas vraiment le prendre au premier degré, hein. Comme je dis, on est vraiment là pour s'amuser, je suis naturel, je suis moi-même. Des fois, je sais que ça peut être stressant, oh, c'est un mot qui était difficile, dur à dire. Voilà, vous avez compris, hein, de toute façon, maintenant je suis sûr que vous me comprenez, même quand j'arrive pas à parler correctement. Mais voilà, c'est vraiment, c'est basé sur l'humour, c'est vrai que des fois ça peut m'énerver un petit peu, je grince un peu des dents. Voilà, c'est vraiment basé sur l'humour, faut vraiment pas le prendre au premier degré, hein, ce n'est qu'un jeu, hein, c'est ce qu'on va se dire, ce n'est qu'un jeu. Alors, donc nous voici en route avec le petit Churchill. Alors, attention, je vais choisir ma cible, je vais prendre lui. Voilà. Et puis après, je vais prendre. Oh, je vais me prendre un petit KV1S au menu. Voilà, en plein dans le mille. Il me voit ou pas? Non, pas encore. Non, il me voit pas encore. Alors, je vais attendre. Par contre, j'ai intérêt. Voilà. Par contre, lui, à mon avis, j'ai intérêt de faire vite. Je sais pas si on l'a percuté. Pour l'instant, j'ai du bol, on me voit pas. Donc je vais en profiter. Je crois que ça y est. Ça y est. Voilà. Oh la vache. Oh nom de Dieu. Ça y est, c'est parti mes amis. Alors là, on va... je sais pas. Je sais pas du tout. Oh mais c'est pas possible, ça fait déjà deux fois. Bon là, je suis plutôt dans la merde. C'est le cas de le dire, hein. Je vais... Ah, puis là, je suis spoté, je me fais voir mon flanc, donc en général, c'est pas le... Ah, il est là, lui. Vite, non, mais non, pourquoi t'as fait ça? Ah oui, d'accord, ah oui, j'avais même pas fait gaffe, mes amis, c'est vrai qu'on est en train de prendre une déculottée, quand même, de 2 à 5. Bon, c'est pas grâce à moi, ça, c'est sûr, je vous le dis d'avance, mais on a pris une déculottée, mais magistrale. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, le M4A3, ok, bon, je pense que ça va être... Et le PZ... Bon, joli. Mais bon, des fois, ça ne veut rien dire. Hein. Ça peut très bien changer la donne. Hein. Je me suis déjà vu réussir... comment dire? Oh là là, et on a gagné. Que c'est magnifique, le ST1. Oh, ça va, on est troisième. Moi, je dis, on s'en tire pas trop mal quand même. Bon, bah écoutez, mes amis, j'espère qu'avec le Churchill 1, on va y arriver. Ça serait bien qu'on fasse un sans faute. Mais j'y crois pas trop. Perso, j'y crois pas trop, mais bon. On ne sait jamais. Écoutez, salut à toi, Stalen. Bah écoutez, on part sur le Churchill 7. Bah écoutez, c'est un peu le même principe que le Churchill 1, hein. C'est sa vitesse, hein. c'est surtout ça. Hein. Ah, excusez-moi, je m'hydrate encore un peu la voix. Donc je continue en même temps mes remerciements à vous tous. Donc nous avons Ramsam, big up à toi. Nous avons Taki, qui marque, c'est pas Spotify mais Spot. Bah écoute, moi je dis Spotify, je dis ce que je veux, d'accord, hein.
C'est à moi, c'est ma vidéo, je dis ce que j'ai envie, si j'ai envie de dire. Si j'ai envie de dire Spotify, eh ben je Spotifyerai. Hein. Spotifyerai, carrément. Le gars, il dit Spotifyerai. Ok. Alors ensuite, bah écoutez, donc je continue. Tutos gameplay, big up à toi, gros merci à toi. Tanker tueur. Ah, j'adore ton pseudo, il est sympa, Tanker tueur, ça fait... J'espère que t'es aussi bon que ton pseudo, hein, ça serait cool. Ensuite, nous avons Dave the Gamer Cat. Big up à toi. Comme il marque, un jour je suis tombé sur un rageux dans une partie. Bah ouais, mais ça ballot. Non, déjà. Je suis déjà Spotify. Eh oui, je suis pas spoté, je suis Spotify. Oui, non, mais ça, je t'avoue, moi aussi, hein, ça, moi aussi, ça m'arrive même d'être rageux hein, quand on voit une équipe qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Alors attention. J'y vais. Oh, non, je recule. Comment veux-tu que je t'en mette une? Alors, attention, là, il va falloir... alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a KV1S qui est en face avec un petit... Non, lui, je ne peux rien en faire. Et toi? Ah non, c'est un IS, en plus, j'ai... Ouh! Bon, déjà, ça va. On s'en tire bien pour la première douille. Par contre, voilà, je fais gaffe à lui, là-bas. Bon, pour l'instant, on s'en tire bien. Allez, normalement, on peut peut-être se le finir. Si on se... Ah, dommage. Hop là. Ah, mais pourquoi tu pars? Ah non, on va pas finir maintenant. Allez, là, je le tente. Ah bah ouais, mais non. Ah bah oui, mais attends, si on est à deux dessus aussi. Bon, pour l'instant, on est à 2-2, on s'en tire bien. Là, je fais attention. Toi, tu shoot qui, là-bas? Ah, ok. Alors, attention. Donc là, je vais aller aider le Tiger 2 sur l'IS. Alors, par contre, je fais attention quand même à mon cucu. Je fais attention à mon cucu parce que là... Ah ouais, mais non, mais attendez, je suis... Voilà, j'ai ma fille qui vous dit bonjour. Elle. Ah, il est pour moi. Ah, voilà. Ah ouais, parce que là, je me suis pas déplacé pour... J'ai pas fait tout ce chemin pour rien, hein. Alors attention, T-44 qui va essayer de rentrer. Voilà, j'y mets une petite... Ouh, dis donc, le coquin. Ouais. Alors ce qui serait cool, c'est qu'on arrive à le bloquer, au pire. Va falloir que j'essaie de le bloquer. Voilà, comme ça, là. Ah, mais non, reviens. Oh, le trouillard. Oh, comment t'as eu peur, hein. Oh, comment t'as eu peur de nous. Alors là, on a un petit Pershing qui est en train de contourner. Alors là, je vais essayer de me faire le T-44 tout de suite. Ça serait cool déjà. Alors attendez, je me concentre. Excusez-moi s'il n'y a pas de mots. Dommage. T-44. Allez, je tente. Eh ben voilà. Absolument, ouais. Ah, tu l'as pris dans ta tronche, ouais, tu l'as pas vu venir. Alors toi, qu'est-ce que tu... Non, mais non. Ouais, toi, je te vois venir, ce que tu vas essayer de faire. Non. Ah bah là c'est moi qui a foiré complètement. Bon alors attendez, on va essayer de l'immobiliser aussi lui. Voilà, déjà ça va le détendre un petit peu. Par contre j'ai intérêt de faire gaffe parce que j'ai... Non mais c'est pas possible. Eh mais toi tu vas détendre l'ami là-bas. Non mais c'est pas... Oh la vache, mais c'est pas possible hein. Ah puis Tiger maintenant il est perdu, ils vont tous tourner autour, ouais. Là c'est foutu pour lui. Ah, j'aurais dû jouer la planque, mais bon, voilà, on s'est pris encore une déculottée, ça arrive. Et puis là, celle-là, elle est sûre, hein. Ça, je peux vous la confirmer à 100%, elle est belle. Salut à toi, Nitoball. Bon, on sera deuxième quand même, bon, voilà, attention, ah, deux défaits, voyons, comme quoi que là, je peux dire, c'est pas mes chars pré... Oh là, alors là, franchement, 661 de dégâts, c'est vraiment pas terrible. Bon, bah écoutez, mes amis, le KR Navon, et vous avez vu, hein, c'est dommage parce que j'ai foiré juste après, le KR Navon, je le dis bien maintenant, ça y est, j'ai réussi à dire le mot correctement, le KR Navon. Oh là, ça, bon, on va s'arrêter là. Bah écoutez, un char de tier 8, on va partir tout de suite. Alors ensuite, remerciements à Emery Studio Clash of Clans on the Bone Beach, big up à toi. Rémi Boulanger,
Bollinger, j'espère que c'est toi, comme il m'a marqué, gros bisous pour ta fille, ah, merci beaucoup, merci à toi. John Paul, big up à toi, alors comme il dit, tu t'es bien amélioré, même si tu dis que tu n'es pas expert, moi je trouve que tu es un pro, bah merci, ça fait toujours plaisir à entendre, et c'est vrai que je ne suis pas professionnel, hein. il y en a certains qui le disent de toute façon, c'est vrai, je l'avoue, mais bon, nous on est là pour s'amuser, on est vraiment là pour le fun, hein. faut pas qu'on se prenne la tête, hein. Et c'est tout. Rian the best, ah t'as vu je l'ai fait un peu à l'américaine, Rian the best, big up à toi, Warm Gaming qui m'a marqué, merci Bigou pour la dédicace, encore une super vidéo, bah écoute merci à vous, de toute façon je ne peux, je vous fais des dédicaces mais moi ce qui me fait vraiment plaisir c'est quand je vois tous vos commentaires qui m'encouragent, qui me disent que c'est super, que vous aimez, même certains qui me disent que bah, je suis leur youtubeur préféré, ça me touche vraiment beaucoup, c'est vraiment très très gentil de votre part. J'essaye de tout faire pour vous faire des vidéos assez souvent. Bon, après, comme je dis, j'ai quand même une vie de famille. Hein. Mais voilà, vous avez entendu, j'ai ma fille qui avait fait... voilà, je vous réponds à sa question. Mais en tout cas, tout ça, c'est vraiment grâce à vous, hein, qu'on en est là maintenant. J'espère que ça va continuer. Je vais essayer de m'améliorer au maximum. Hein. Attendez, j'avais ma fille qui vous disait tous bonjour, hein, qui vous remercie également. Alors, T54, ah que je l'aime pas. VK4502B, ah que je l'aime pas. Mais en fait, je les aime pas, les ennemis, c'est tout simplement ça. donc ensuite, je... Voilà, vous entendez, ma fille vous dit merci encore, merci de me suivre. Alors oui, donc en même temps, parce que c'est vrai qu'on est parti sur mes chars détestés, mais je n'explique pas pourquoi. Alors comme vous savez, celui-là, je l'aime pas bah, parce qu'en fait, il est fragile, tout simplement. C'est vrai que quand vous regardez, bah, au pire, je vous invite à aller voir la chaîne de Bello93 et même d'Afkaber. Il vous explique mieux... Oh, joli. Ça y est, au moins on a mis une cartouche, on a touché. Voilà, qui vous explique vraiment comment jouer avec ce type de char. C'est vrai que c'est plus des chars où il faut montrer sa tourelle. Sinon, ils sont pas... Alors, moi, je vais me barrer de là. Je ne vais pas rester là. Allez. Je m'en vais. Nanana. Attendez, avant, je mets peut-être une petite cartouche... Non, pourquoi tu t'es planqué? Bon, bah, je me casse aussi, alors. Le comète. Ah, ouais, alors ça, c'est pas intelligent de ma part. Voilà, moi, je reste là. Normal, à la vue de tout le monde. Oula. Bon, là, j'ai tenté. Alors là, par contre, je vais plancher mon cul. Allez, recharge! Ouais, je me serais douté que je me suis loupé. Bon, là, ils sont à deux dessus, donc on va lâcher l'affaire. Oh là, par contre, moi, je vais planquer mon arrière-train, quand même. Alors, attention, je vais tenter louper, forcément. Hein, ça aurait été trop beau. Alors, hop, Bigouf, planque-toi. Ne reste pas à la vue de tout le monde. Voilà. Ouais, mais ça, c'est pas ce qui me plaît le plus des chenillés. Oh là 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 là. Voilà. Non. Alors toi, l'IS, là, c'est pas possible. Juste pas possible. Alors lui, par contre, là-bas, c'est pareil. On va le détendre. On va tous les détendre, en fait. Hein. Moi, je vous dis, les amis. Voilà. Non, reste là. Reste là, nom de Dieu. Oh, la vache. Faudrait que j'arrive au moins à en dégommer un, pour la gloire. Voilà. Ça, c'est toujours bon à prendre. Par contre, Bigouf, tire-toi de là. Tire-toi de là et vite. Allez. Ah, que je suis dans la merde. Puis alors, moi, ce qui est bien, c'est que je vais directement dans la gueule du loup. Hein, parce que moi, le mec a même pas peur. Voilà, forcément. Allez, ça, c'est pour le fun. Hein. Voilà, je me dis, moi, j'arrive. Je suis comme ça, je suis un fou dans ma tête. Je dis, moi, je me pointe devant tout le monde. Voilà. Hop là. Oh là là, mais le mec, mais t'es un fou, Bigouf, t'es un fou, hein. Ouais, parce qu'en même temps, je me fais des propres commentaires directement. Non, bah là, je suis foutu, de toute façon, ça, c'est sûr. Voilà. Allez, oh non, de Dieu. Ah, ça a été la guerre, mais jusqu'au bout. Bon, au moins, on en aurait eu un, mes amis, hein. Franchement, je vous l'avoue, j'ai fait de la MDDE, hein. Vous avez compris, mais je reste poli. Bah, ça arrive, hein. Franchement, je savais pas comment m'y prendre. Je suis parti un petit peu à la dérive. Je ne vous le cache pas.
Voilà. Et on continue, on va finir sur le Conqueror, donc qui est pas du tout équipé à fond, parce qu'en fait, j'avance pas, parce que eux, franchement, je vous avoue, mes amis, mais je les aime pas, mais pas du tout, parce qu'ils sont, pour moi, pareil, pour l'instant, bon. C'est pareil, comme EJ, il y a... Oh là là, bah, ce qui est bien, c'est qu'on finit que sur des défaites, mais on est premier, les amis. C'est ce qu'il faut se dire, on est premier quand même, hein, même si on a fait de la merde, on est premier. Je crois qu'on va être parti sur 4 victoires, 4 défaites, comme ça, au moins, c'est homogène. Voilà, je... Attendez. Ah, oh, c'est mignon, voilà. Donc, voilà, on va continuer donc, sur le Conqueror. Et après, c'est vrai, comme EJ, pour l'instant, je ne l'aime pas. Après, peut-être que si vraiment je m'y tarde dessus, peut-être que je vais apprendre à l'apprécier. Hein. Mais c'est vrai que pour le moment, ils sont vachement mous, ils ne sont pas assez puissants. Bon, après, c'est comme tous les chars. Hein. Mais ça, il faudra que je m'y mette dessus tôt ou tard. Donc, je continue ensuite donc à Timothée Bardin. Big up à toi. Florian Marnier, alors qui m'avait marqué très belle vidéo, puis-je poster une candidature, quel est le nom? Bah écoute, à Warm Gaming directement, hein, après tu regardes sur leur forum, n'hésite pas, pourquoi pas, hein, ça peut marcher. Je te le souhaite, hein, moi personnellement, bon bah j'ai envoyé ma candidature, je n'ai toujours pas eu de réponse, donc je pense que c'est un peu, bah, que c'est un petit peu mort. Donc je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je suis un petit peu déçu quand même. Mais bon, en tout cas pour vous les amis, on s'en fout. Nous on va continuer à prendre du plaisir ensemble, on est là pour s'amuser, on est là pour, bah, pour s'éclater, pour délirer ensemble, des fois que je bafouille, et bah même que, voilà, hein, on est là vraiment pour s'amuser. Voilà, et puis en même temps, il y a notre fille qui est là, ma fille, notre fille, on va peut-être pas tous faire ensemble, mais il y a ma fille qui est là avec nous, hein, voilà, qui fait bouillant, 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 hein. Alors... Là, il y a du gros là-bas. D'accord, je comprends pas ton langage. Bah voilà, alors j'ai pris une première cartouche. Je vais me barrer vite fait. Ah ouais, vite. Même ma puce a peur pour moi, vous avez vu? J'ai pris une cartouche tout de suite. Ah ouais, mais en plus, moi, je suis un fou, je pars tout seul. Non, n'aie pas peur, mon cœur. Je vais essayer de faire mon possible. Mais là, c'est vrai que... Ah, mais je comprends pas ce qu'il dit, Ferdinand. Alors là, je ne pourrais pas... Oh là là, puis ils sont deux. Oh, puis c'est un char de tier 10 en plus. Alors moi qui n'est pas du tout équipé... qui n'est pas du tout équipé à fond, je suis plutôt dans le tcha-tcha. Ah, il a rebondi. Bah, hey, tu m'étonnes. Ouais, alors, en même temps, Enzo, Gamine 100. Oh, oh. Hey, mais toi, là... Ouais, mais là, non, faut pas que je reste là. Faut pas que je reste là. Non, non, mais non. Ouais, bon, bah, de toute façon, vous le savez, à mon avis, je pense qu'il y a l'Indien qui va venir... qui va venir me chercher. Hein, là, de toute façon, voilà, je suis mal barré. De toute façon, je peux pas me planquer. Même si je me planque, je suis foutu. J'ai besoin d'aide. Aidez-moi, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Bah, même ma puce, vous avez entendu, elle vous appelle aussi, les amis. Celle-là, elle est pas mal, celle-là. Oh non! Oh non! Oh mon Dieu. Voilà. Voilà. Non, ne pleure pas, mon cœur, ce n'est qu'un jeu. Ne t'inquiète pas. Bon, bah écoutez, on va finir comme ça. Tiens, on va se mettre sur le T62A. On va finir notre vidéo sur des remerciements. Merci, merci à tous. Oui, ma puce, je vais remercier tout le monde, ne t'inquiète pas. Donc, Enzo Gaminsan, qui m'a marqué, j'adore tes vidéos, tu es mon YouTuber à côté. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Alors, Saphir 63 Electrofury, ah, sympa ton pseudo, qui m'a marqué, encore super vidéo. J'adore ton garage, toujours rempli, et tes jeux de mots parfois osés. Bah, je ne vois pas ce que tu veux dire, pas du tout. Bref, continue comme ça, merci beaucoup. Cédric Boutin, merci à toi. Priot Tarioska, good, qui m'a marqué good, alors je sais pas si je le dis bien, désolé. Hein. Blackout 44, big up à toi. Ah, oula, il est pas content là, T62, stupid snob. Ouh, il est pas content, dis donc. Vous avez vu, il y a des rageux, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a vraiment des rageux. Hein. Après, il y a Snake X, qui m'a marqué super, salut Bigou, pardon, super vidéo, comme d'hab, ne change surtout pas. Bah, merci à toi, enfin, c'est grâce à vous, de toute façon, donc merci à vous tous. Anima Diallo, allô, Diallo? Salut à toi, mon ami, qui m'a marqué « Salut Bigouf60, tu es mon préféré YouTuber, merci beaucoup à toi. Pourrais-tu faire les pires chars lourds ?» Eh bah écoute, voilà, ça a été fait. Bon, malheureusement, c'est vrai, comme je dis, les pires chars lourds, j'en ai pas. Par contre, ça, je vous garantis que les TD, j'en ai. Ça, c'est garanti. Hein. Par contre, c'est vrai qu'en lourd, j'en ai pas vraiment.
Mais bon, là, j'ai fait une sélection vraiment au pif. Hein. C'est vrai que... Alors, je pense qu'il doit dire, à mon avis, T62, t'es débile. Hein. Je sais pas, hein, je crois. Hein. Parce que je sais pas ce qu'il fait, en fait, mais là, il va se faire dégommer. Enfin, bon, ma part, je resterai pas là, moi. Mais bon, voilà, bon, ça, c'est fait. Non, ça, c'est moi, ça, faut pas regarder. Ensuite, donc, on a Jobard. Ah, oh, Jobard, c'est comme les figurines Jobard Team, les motards foufous. Ah bah, on est un peu pareil, alors. Qui m'avait marqué encore une supérieure, continue comme ça, tes commentaires sont géniaux, tu as toujours de l'humour, bonne game à toi, et à bientôt sur WOD. Bah écoute, merci beaucoup à toi, hein. C'est vrai qu'on est, comme je dis, on est là pour s'amuser. Hein. Donc The Diver Cat, c'est, The Gamer Cat, ça a été fait, Minjeu, big up à toi, ah oui, alors qu'il a marqué, il y a un monstre tapé Worldly ES6, The Monster, je crois que vous allez le voir. Tong Gaming. Alors lui qui m'a lancé un défi, mais pour l'instant, comme je dis, je fais une vidéo spéciale pour les défis, hein, mais vous inquiétez pas, je n'oublie pas. Hein. Firez, ça a déjà été fait, big up à toi. Ethan Philibert, il me marque, pourquoi tu ne réponds jamais au peloton? Alors j'ai déjà expliqué pourquoi, mes amis. Il y en a tellement que si en plus j'inviterais tout le monde, enfin, si j'accepterais tout le monde en ami, je vous garantis, on est en train de se prendre une déculottée, mais magistrale. Comment dire? Si j'invite tout le monde, je vous cache pas que je vous ferai un de ces cas, je vous ferai je vous ferai voir. Des fois, j'ai plus de 99 demandes, c'est énorme. Comme je dis, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Je suis vraiment désolé. Maintenant, ceux qui le comprennent, bah, je vous remercie. Ceux qui le comprennent pas, bah, je suis vraiment désolé. On ne me fait que ça de demander en peloton. J'ai des fois des 20, 30. Bon, là, je vais peut-être pas dire 30 non plus parce que je n'ai pas accepté tout le monde. Mais j'ai énormément de demandes, énormément de pelotons. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. Il y a des personnes qui sont déçues. Je suis désolé. J'essaie de faire mon en sorte pour que je puisse. Voilà. Oh putain, j'ai perdu de l'argent en plus. Et là, forcément, je suis premier quasiment en partant de la fin. Voilà. Bon, bah, je suis vraiment désolé, les amis. J'ai fait une partie de brin. Hein, oh, c'est le bras. Oh, c'est le bras, ma biloute. Hein. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que je peux pas accepter tout le monde. Je suis vraiment désolé, désolé, les amis. Hein. Le prenez pas mal, hein. Y a rien de personnel. Donc, je finis vite fait, mes dédicaces. Donc, Rian the Best, big up à toi. Qui m'avait marqué, n'hésitez pas à voir mon énorme commentaire sur les chars légers. Bah, écoute, big up à toi. MTX Master. Qui m'a marqué, salut Bigou, j'adore tes vidéos, vraiment, j'ai un pote qui a créé une chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, pas mal, allez voir sa chaîne, ok. Désolé, je ne fais plus de pub, hein, parce qu'il y a déjà eu des problèmes par rapport à ça, donc je me suis expliqué dans mes vidéos précédentes. Ensuite, nous avons Martin Vanto, big up à toi, j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo, hein. Comme je dis, hein, je suis vraiment désolé si j'écorche vos pseudos, hein, c'est vraiment pas fait exprès. Augustin Havas, big up à toi. Qui m'a marqué, dommage que ce soit des petits tiers, sinon très bonne vidéo. C'est vrai qu'en char léger, il n'y avait malheureusement pas des gros. Hein. Et ensuite, Paps4154 Sao Tong, qui l'avait marqué, j'ai arrêté de jouer. Bah écoute, dommage, il y a Fires qui avait marqué cool. Je sais pas pourquoi, sympa. En tout cas, sachez que mes amis, merci à vous tous. Hein. D'ailleurs, comme il y avait certains que je tiendrai à remercier, il faudra que je retrouve ton pseudo, mon ami. Où c'est que j'ai eu des commentaires qui étaient assez méchants et que bah, vous étiez derrière pour y répondre. En tout cas, merci à vous tous. Sachez que nous, on est vraiment là pour s'amuser. Merci à tous de me suivre, de partager ma passion, notre passion. On est vraiment une famille qui est en train de se construire petit à petit. En tout cas, changez rien, restez vous-même. Moi, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas, demain, une vidéo vraiment spéciale que je vous ferai en fin de journée, comme là. Hein. Une vidéo vraiment spéciale. Qui sera vraiment dédicacé à Jean-Bastien Kieffer. Big up à toi, mon ami. Et bah écoutez, je vous dis, bah, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager, à liker, à tweeter. Hein, comme je vous dis, à tweeter. Et puis, bah, je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, on se retrouve demain, hein, pour une vidéo special. Et je vous dis, bah, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, salut les amis, à la prochaine. Ciao !